Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012. Je suis dans ma petite maison, sur ma map hors norme. J'ai réfléchi longuement au sujet de cette plateforme qui est installée pas loin de où je suis. J'ai vraiment réfléchi et en fait, je sais pas quoi faire. Voilà, ça fait même rigoler les vaches. Voilà. Non, franchement, ça a grandi par rapport à la dernière fois, c'est moi qui rêve. Non. C'est presque sur l'île des golems de neige là. C'est quoi ce... Cette horreur là. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Je pensais pas que... On mange un petit pain au chocolat, ça va me remonter le moral. Oh, quelle crétine! Mais qu'est-ce que je suis bête en plus! C'est pas vrai, mais... Oh. C'est pas vrai. Ouais, je sais, la vache, salut. Mais qu'est-ce que je suis bête, mais c'est pas possible. Vois rien, il y a trop d'arbres ici. Tout m'énerve là, ça y est. Non, ça va. J'en perds ma voix tellement je suis énervée là. C'est pas possible. Bon, j'ai un petit peu trop de bordel sur moi. J'ai pas un coffre quelque part là-dedans. Ah, un champignon. J'ai pas de toit. Ce qui est agréable, c'est que ça fait pas un bordel d'enfer. Si, j'en ai un. Non. Je voulais juste pas tout prendre, mais enfin, c'est pas grave. Il faut que j'ai un coffre fourre-tout quelque part. Je vais me mettre au pied de mon lit, peut-être. Comme ça, ici, je remets tout en vitesse, ce que j'ai sur moi et qui ne sert à rien. Fiole d'eau. Tu parles que je me cherche avec ça. Je me charge avec ça. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces... Oh là 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 là. Voilà, comme ça, ici, je me garde un petit peu à manger. Je dégage ça que j'en ai rien à faire. Là, je vais me refaire une barque. Parce que j'ai été trop bête pour réfléchir où j'avançais. On s'en fout. Quelle heure est-il? Ouais, il est un peu tard pour partir. Salut les petites vaches. Attends, j'ai fermé pour que les vaches n'aillent pas là. C'est pas que je veux pas d'elles, mais j'ai pas de d'herbe pour elles là-bas. Toi aussi, ça te stresse, golem? C'est inquiétant hein, quand même. Hein. Je mange un citron du coup. Ça m'angoisse vraiment là. On va voir. Quelle heure est-il?
pas le temps qu'il fasse nuit. Je m'y suis pris un petit peu trop d'avance. Je pensais qu'il allait faire nuit tout de suite, mais non, il ne fait pas nuit tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est un petit peu... Je n'ai pas de hache, donc nous allons repartir. Ah, la petite vache est dans l'eau. Je vais prendre une hache et on va couper un petit peu des arbres pour... j'ai envie de ne pas me coucher ce soir pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais il faut que j'ai une vue assez large de ce qui se passe. Et là, il y a trop d'arbres. Oh, j'ai cassé quoi? Peut-être du raisin. Hop. J'ai planté énormément d'arbres. C'était pour avoir du bois, mais là... de bois tout le bois et plus de visibilité, c'est pas pratique. Je retue de la vigne. Bon, du moment que j'ai des pommes, ce sera déjà pas mal pour manger, je parle. Oh, ça me stresse là à l'idée de ne pas me coucher pour voir s'il y a de l'activité là-bas. Mais bon, faut que je sois courageuse. Faut que je sache ce que c'est. Mais ça va... Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être je vais me barrer. Mais je vais aller où? J'ai fait ma maison, je suis tout installée ici. Faut que j'aille récupérer les pousses. Et j'espère que sur mon île, il n'y aura pas des masses de monstres. De toute façon, les golems vont être mis à l'ouvrage. Petite vache mushroom, elle est en train de faire n'importe quoi. Là, il me faut des pousses d'arbres obligatoirement. Je vais tarder un petit peu à me coucher, mais de toute façon, comme je vais pas aller me coucher dans ma maison, nulle part d'ailleurs, on n'est pas aux pièces. Le soleil va se coucher. Là, petite pousse. Je suis morte de trop, imagine les priorités dans la vie et les pousses d'arbres en font partie. Voilà, allez, on est là. Là, je vais mettre mon bois, mes pousses. On voit rien, en fait. Ah, j'ai pas de visuel sur l'île. Merde. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Je suis bête. Moi, j'en ai déjà plein du bois. Je crois que... Au-dessus de moi, il y a les barrières. Donc au-dessus de moi, il n'y a pas de monstres qui peuvent apparaître. Oh! Pardon. Ça, c'est l'inconvénient d'être à plusieurs sur le même Minecraft. Allez, on y va, courage. J'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je vois rien. Oh super, araignée, creeper, tout ce que tu veux, merci. Putain, je suis sur un biome champignon, c'est pas normal. Quelle crotte. Biome champignon avec des monstres, ça, il y a qu'à moi que ça peut arriver. Merde. Allez, mets ton bloc, mon sang bois. Oui, j'aurais fait ça. Est-ce que je vais pouvoir me coucher? Oh putain. Bah maintenant, je suis bonne, moi. Il y a des creepers, il y a tout ce que tu veux.
zombie qui crame. Ok. Ta gueule. Ouch! Qui me snipe là? Il est. Et les golems, ça va, vous vous faites pas trop chier dans la vie, c'est bon. Toi. Connard. 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 Il est où? Les golems, là, je vous ai donné des noms, là. Ouais, non, mais tu me vois pas là, je suis à couvert. Je suis à couvert, j'ai dit. Ah, l'enfoiré! C'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il fait? Il a cramé. That's good! L'araignée, je sais que tu peux rien me faire, mais là, psychologiquement, il faut que je te tue. Copine, elle est où? Viens ici, la copine d'Ariane. Putain de golem là, non mais allô quoi. Vous faisiez quoi là? Mais vous êtes des cons hein. Ok, ils ont tué des monstres, mais quand même. Me défendre, moi, c'était pas possible. Je suis curé, là. J'ai mangé un peu de chocolat. Mais c'est pas vrai. Bon, bah, du coup, je peux remettre un petit peu des armes. Pour avoir un petit peu de bois encore. Puisque je n'ai pas de visuel. Ok. Bon. Allez, il va y avoir recrudescence de vache ici. Du coup, j'ai passé ma nuit à rien faire de potable en fait. Là-dessus, va bien y avoir des monstres. Je sais pas si ça pop les monstres sur un biome neige. Enfin, en même temps, normalement, ça pop pas sur un biome champignon. Alors, je ne sais pas. Attends, je vais manger une pomme, tiens. Un petit peu de vitamine. Ça va me faire du bien. Quelle heure est-il? Putain, il est déjà midi. C'est quoi ce truc? Il y a un trou en plus. Allez, on speed. Ils vont remonter par là. Les prisonniers vont remonter. Ils vont remonter par là. J'ai encore ma hache, moi. Ouais.
C'est pas vrai. Faut que je leur fasse comprendre qu'ils sont pas chez eux là. Et que là, c'est chez moi. J'ai une trouille, mais bleue, verte, toutes les couleurs. On a de la chance, déjà, il n'y a pas eu de monstre de sortie là. C'est déjà formidable. C'est quoi qui fait? Ah, bah oui, du coup. Attends. Je coupe le courant ici parce qu'au cas où je tombe, que je me fasse pas embarquer. Faut prévoir tout, c'est épuisant, elle est épuisante cette map, il faut prévoir tout, 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 puissance 2 millions. Ah! J'en ai marre. Je vais en manger un peu en chocolat. Ça nourrit pas des masses en plus, un petit peu. Dommage. Toi, je vais mettre dans le bon coffre. Je trierai tout ça quand j'aurai le temps et l'envie. T'es pas là? Surtout l'envie, parce que là. Ils se sont mis un générateur de monstres, certainement un générateur qui leur permet d'avoir de l'énergie. Pour manger, ou je ne sais pas. Je sais pas trop en fait. Bon, mon armure, elle est nickel. Pourtant, je me suis battue contre des monstres. Ah, oh, j'en ai mal au ventre tellement j'ai peur. C'est pas vrai. C'est pas possible un truc pareil, c'est pas possible. Puis vu comme les golems ont vachement protégé tout à l'heure. En cœur les meumeux, vous avez raison. Bon. On va prendre tout ce qu'il y a là-dedans parce que s'ils arrivent à remonter à un moment et qu'ils viennent me gorer ma bouffe, ça va être la fin des haricots. Je sais pas comment. Pourquoi? Ah, j'ai attrapé l'étagère et pas le. Ok. Je sais pas comment je vais faire pour aller chercher tout ce qu'il y a tout là-haut, mais. C'est pas grave. En attendant, si moi j'ai du mal à attraper les choses, peut-être qu'eux aussi auront du mal. Oh, de toute façon, faut pas qu'ils remontent, hein. Faut que je détruise. Je sais pas trop comment je vais faire, mais il faut que je détruise tout ça. J'ai encore de la place. Ouais, un petit peu. Mais. Ah bah oui, mais j'ai plus de place là ce coup-ci. Bah je vais manger une papillote. Pour les papillotes, on a toujours faim. Ce qu'elle m'a donné, elle. Régénération. Bon bah en même temps, ça me fait un petit peu chaud au cœur. Non mais. Un générateur de... C'était des envies, je crois. C'est exprès pour me foutre la trouille, ça. C'est dégueulasse. Ah! Quelle heure est-il? Merde, il va bientôt faire nuit. Et moi, je suis en train de chercher comment bouffer mes papillotes. Pour pas gâcher.
Nyctalopie et célérité. Chaque fois, je vois célébrité. Bon, allez. Je rentre chez moi, je me couche dès qu'il est l'heure de se coucher. Et nous allons nous laisser là pour le moment. Excusez-moi. On va se retrouver dans le prochain épisode. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je dois réfléchir à quoi faire et comment faire. Et si Gormig a une pauvre idée à me donner, il a le droit. Hein, parce que là, je sais pas trop comment faire. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de votre soutien et d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde.